comment tu vas? Salut à tous les amis, wow. Comment ça va? Ça va et toi Julie, comment ça se passe? Ça va très bien, je suis contente, on se retrouve aujourd'hui les deux grumeaux pour dessiner de mémoire des gens de dessin animé. Avant que la vidéo ne commence, la vidéo est sponsorisée. Oh! Ho ho ho, c'est bientôt Noël, et qui dit Noël dit cadeau comme un voyage par exemple, sauf que les transports peuvent être hors de prix. C'est là qu'intervient NordVPN. Oh putain! Avec NordVPN, tu peux te géolocaliser dans un autre pays en un clic sur l'application PC, smartphone ou tablette, et avoir accès à des prix bien plus attractifs, pratique en cette période de fête, on va pas se mentir. NordVPN protège tes données aussi quand tu te connectes à un wifi public comme celle des gares ou aéroports, parce qu'on n'est pas à l'abri de menaces extérieures, hein. Tu as aussi la protection anti-menaces. Elle neutralise les cybermenaces sur ton ordinateur avant qu'elles ne puissent causer de sérieux dommages à ton appareil. Bon, elle ne te protégera pas de l'inflation et des coupures de chauffage, mais t'aidera à identifier les fichiers et sites web contenant des logiciels malveillants. Finito. Encore une fois, c'est bientôt Noël et tu as le droit à 4 mois offerts avec l'abonnement de 2 ans et c'est satisfait ou remboursé. Merci à NordVPN d'avoir sponsorisé cette vidéo, ça me permet de concrétiser des projets en 2023 notamment et de payer mon loyer et voilà. Ouais, c'est bien ça. Ouais. Du coup, on va dessiner. On commence par Bojack Horseman. Ok. En plus, j'ai regardé toute la série. C'est faux. Oh là là, tu sais pas ce que tu rates. J'étais pas dans le mood. J'ai commencé, mais j'étais pas dans le mood pour regarder ça. C'est très déprimant après. Hein. Oui, c'est... voilà. Faut s'accrocher. Ma mère est morte et tout ce que j'ai eu, c'est un churro gratuit. Cette série, elle est exceptionnelle, mais par contre, je sais pas comment je vais le dessiner. En plus, il y a Jesse Pinkman. Oh, mais tu l'as regardé en VO? Oui. Moi, je l'ai regardé en VF. Ah. Oh, les puristes de VO, mais quoi? Non, c'est que moi, je préfère les. Ouais, nique ta mère, en fait. Puis bon, bah voilà, il y a Aaron Paul, donc voilà, j'avais envie d'entendre sa voix. J'en ai un peu ras le cul des vendeurs de VO là. Ça y est, on commence à se monter le bourrichon là. À se monter le bourriquet. Il a les yeux. Revolver. Dans mes souvenirs, il a un blazer. Ouais, je viens juste de lui faire d'ailleurs. Ton avis, est-ce que Bojack il a une grosse bite de cheval? Sûrement. C'est vrai qu'on l'a jamais vu. Non mais il est trop bien fait le tien, je suis... Ah ouais? C'est Bojack, il est totalement déprimé. Ça va néné, ça va pas. Moi il est nul à chier à côté, je suis dégoûté là. Ah, il y a juste le museau rose que j'ai pas fait. Il lui a fait son petit losange sur le front. Dessin suivant. Les Razmoquettes. On fait caca culotte là, comment il s'appelle? Casse-bonbon. Casse-bonbon, ouais. Oh là là, les bébés. C'est con un bébé, hein. Ça fait agagougagigaga. Ouais, c'est pas très évolué, quoi. C'est vrai qu'il avait un crâne bizarre, mais je me souviens plus. Tu vas encore nous pondre une masterclass, là. Ah, il faut, hein. Ah, j'arrive pas à dessiner. On dirait un alien, moi, mon truc. Ah, il a un cheveu de merde, là, comme tous les bébés de merde, là. Non, mais c'est quand même fascinant, le monde des bébés, hein. Le monde des bébés. Ils s'extasient sur rien. Tu leur dis caca, ils rigolent. Ah, exactement bah, comme, moi, comme nous, en fait. Casse-bonbon, le gars des Razmoquettes. Vraiment une grosse merde avec son gros cul. Là 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 là. C'est vrai qu'il a un gros cul. Oh, mais j'arrive pas à dessiner son corps de con de bébé de merde là. Ah, j'ai le nez qui coule, putain, comme les bébés. Hop, ça c'est sa couche de merde. Ça, c'est son nombril de merde. Il a un crop top. Il est en avance sur son temps, le gars. Ouais, il est un petit peu avant-gardiste en fait. Ça pue la merde là, qu'est-ce qui se passe? C'est parce qu'il a fait caca dans sa couche. Ah, il a chié dans son froc. Ah, c'est horrible, Hachi, tu t'es chié dessus ou quoi? Plusieurs fois, moi, je suis allé chez toi et ça sentait le pain. Ah, oh, ça va. Hein. Waouh. Waouh. Ah non, en fait, je préfère le mien, en fait. Horrible, tiens. On dirait un prématuré. Oui, c'est vrai. Bah, GG à toi, hein. Franchement, c'est comme le mien. Ouais, il est pas mal, le mien, il est pas mal. T'as vu, il a fait caca dans sa couche. Oui, le gros bébé. Ça pue la merde, guys. Est-ce que t'as déjà changé la couche d'un bébé? Non. Je l'ai fait une fois, je le ferai plus jamais. Tu m'étonnes. Ah, c'est l'enfer du cul. Hein. Voilà, pour le coup, là, c'est... C'est le caca de le dire. Dessin suivant, là. Nous allons dessiner Clover des Totally Spies. Ah, les Totally Spies.
pisse. Elle est blonde, non? Elle est blonde, oui. Mais je sais pas dessiner les femmes. Oh mon dieu, ils sont pas dessinés les femmes. Elle a la même coupe de cheveux que Sentomaru dans One Piece, mais tu vois pas ce que c'est. Je connais pas. Ouais, ça ressemble à des cheveux. Hein. Ma chaise, elle arrête pas de grincer. Moi, mon personnage préféré, c'était Jerry, parce qu'il avait une grosse bite. Mais j'arrive pas à... Elle a un comme poudrier. Comme poudrier. Tu me casses les couilles. Je te casse les bonbons. Ah ouais, ouais. Waouh. Ah bah elle est trop bien la tienne. Bah écoute, ça arrive de se foirer, hein. J'arrive pas à bien dessiner les humanoïdes, là. J'ai la flemme. Ou alors faut que je prenne trois plombs. Elle a les gougouttes qui pendent. Et ouais, putain, mais il est trop stylé, le tien. C'est la vraie. Bah bravo, il est trop bien, ton dessin. Je suis une experte. Oui, c'est bon, on a compris, là. T'es trop forte, c'est bon. Ah ouais, là, ils ont des talons et tout, c'est vrai. Oh là là, j'ai fait n'importe quoi. C'est quoi cette idée de mettre des talons alors que c'est pas pratique? Ça fait mal, ça te bousille le dos. Parce que c'est des femmes. C'est sexiste. Ah oui, bah c'est pas moi qui ai décidé ça, hein. On va dessiner Poppy Playtime. D'accord. Bon, à la base, c'est un jeu vidéo, mais il fait très cartoon. J'avais pas d'idée, en fait, vu que toi, t'as les autres meilleures idées. Et du coup, bah, je me sacrifie. Je suis fan de Poppy Playtime, soit dit en passant. Pourtant, t'es nul. Mais ta gueule! Pourtant, t'es nul au jeu vidéo, c'est bizarre. Pardon. Moi, je sale de le faire un peu dégueulasse, comme d'hab. Putain, mais j'arrive pas à faire sa bouche, là. Guy et les cafards. Oh là là. C'est une skinny bitch. Eggie, veggie. Je me suis retrouvé bloqué à un moment donné où... Et t'es trop nul. La gueule. Non, en vrai, c'est dur. Et t'es quand même fan. Là, je joue à Zelda en ce moment. Il a un gros pack. Ouais. Ah le chien, il est tout cute, hein. Eggy, le monstre qui fait des bisous. Bah c'est pas mal du tout ça, écoute. On a fini ma partie. La deuxième partie, c'est sur ta chaîne. Ma chaîne. Et puis moi, je vous dis, bah abonnez-vous et... Lâchez des pouces, lâchez un maximum de pouces. Au revoir. Au revoir. Au revoir, oui.